Dès l'entrée sur la scène d'intervention, déterminer si la sécurité est garantie pour les intervenants ainsi que pour les patients. Déterminez votre impression générale à l'aide du triangle d'évaluation pédiatrique. Il se compose de l'observation, de l'apparence de l'enfant, du travail respiratoire ainsi que de l'état circulatoire. Dans un siège, il n'a pas l'air de réagir. Je vais le sortir du siège, tu peux le sortir à compensation. Les arrêts cardio-respiratoires pédiatriques étant majoritairement d'origine respiratoire, la perméabilité des voies aériennes est une priorité. Par conséquent, compenser la proéminence occipitale évite une flexion qui contribue à obstruer les voies aériennes supérieures particulièrement souples chez les enfants à cet âge. La suite de l'évaluation initiale se fait à l'aide d'une simulation verbale et physique, puis l'observation de la présence ou de l'absence de mouvement thoracique respiratoire, et enfin la présence ou l'absence d'un pouls brachial. J'ai pas de pouls brachial, on peut médicaliser pour un ACR pédiatrique confirmé. Je commence le massage. Le massage cardiaque externe de haute qualité est un déterminant lors d'ACR pédiatrique. Il doit être réalisé à au moins 100 par minute, d'une profondeur de 4 à 5 cm. Il est important d'assurer une décompression complète du thorax, minimiser les interruptions et éviter les insufflations excessives. Ce qu'on appelle les cendres, j'aimerais une médicalisation pour un enfant en ACR. Une médicalisation pour un enfant en ACR. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On fait du 15-2 jusqu'au choc. Après le massage cardiaque externe, la défibrillation est la deuxième action essentielle lors de l'arrêt cardio-respiratoire. Il convient alors d'installer des patchs de défibrillation de taille adaptée à l'âge de l'enfant selon les recommandations du constructeur. Et ceci en minimisant les interruptions de massage cardiaque. Dans cet exemple, les patchs utilisés sont recommandés jusqu'à 15 kg ou environ 4 ans. Dès que les patchs de défibrillation sont en place, l'analyse du tracé détermine si le choc est indiqué. Lors de fibrillation ventriculaire ou tachycardie ventriculaire sans pouls, le premier choc est administré à une dose de 2 joules kilo, puis les chocs suivants à 4 joules kilo. Ok, on s'écarte, tout le monde s'écarte. Choc, on fait un rond. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14. La réanimation cardio-pulmonaire est rythmée par l'analyse du tracé, puis, si indiqué, la défibrillation. Chaque boucle dure environ 2 minutes en alternant massage cardiaque externe et ventilation. Pour respecter ce timing, comptez 10 cycles de 15 massages de ventilation si vous êtes deux sauveteurs, ou 5 cycles de 30 compressions et 2 ventilations à un sauveteur. Au moment des ventilations du dernier cycle, analysez le rythme. Si le choc est indiqué, commencez la charge et dès les compressions terminées, délivrez le choc. Ceci permet de gagner du temps et diminuer les interruptions de massage cardiaque. Après le deuxième choc, sans retour à la circulation spontanée, l'administration d'adrénaline produit, par son effet alpha-adrénergique, une vasoconstriction qui augmente la pression aortique diastolique et par conséquent la pression de perfusion des coronaires. L'administration d'adrénaline se fait par voie intraveineuse. Il convient d'obtenir un accès veineux en 2 tentatives de moins de 90 secondes, puis en cas d'échec, utiliser la voie intra-osseuse. Chez les nourrissons, vous pouvez considérer l'utilisation directe de cette voie. Le choc est
Pour garder une force de compression optimale, il est important de changer toutes les 2 minutes de masseur. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Ça, on a déjà. Ah ouais. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Deuxième cycle. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Je viens de finir le troisième. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je vais piquer 25, 26, 29, 30. Je viens de finir le cinquième. Je te laisse finir le pied. On va analyser après. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois l'aiguille intra-osseuse en place, il faut vérifier le bon emplacement de cette dernière en aspirant dans la tubulure. S'il y a présence de sang ou de liquide rosâtre, on considère le dispositif en place. Puis, il est important de rincer avec au moins 10 à 20 cc de NaCl pour garantir ensuite le bon débit de cette dernière. Tu peux analyser, c'est toujours une fibrillation ventriculaire. On charge, on dit si tu veux. Je m'écarte, tout le monde s'écarte. Attention, on choque. 4, 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, je te prépare de l'arrêt. 30. Le dosage d'adrénaline à administrer est de 0,01 mg par kilo, que ce soit par voie intraveineuse ou voie intra-osseuse. Pour garder la voie intra-osseuse perméable, il est parfois nécessaire, pour garantir un bon débit, de mettre le flex sous pression. Donc t'as mis 1 dans 100, hein. 3, 4, 5, 6, 7, ouais. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, première dose d'adré à 16 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toujours RV, hein. 10, Réa pédiatrique. Première. Ah non, ça me fait 14. Faut tirer là-dedans. on la recommence? Ben je pense, hein. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Celui qui met du mettre dans ce sac. C'est le cinquième cycle. Allez, j'en prends quoi?